J'ai une histoire particulière avec le Louvre. Il y a 3 ans, j'étais invité à faire disparaître la pyramide. Mon seul regret, c'est que j'avais pas pu impliquer la communauté pour le coller. Et cette fois-ci, on a fait un appel à coller sur Internet, et des centaines de personnes des quatre coins du monde se sont inscrites pour venir coller une œuvre d'ailleurs dont ils ne savaient même pas à quoi elle allait ressembler. Cette œuvre, elle est composée de 2000 bandes de papier, chacune de 10 mètres. Un puzzle gigantesque. Une des dimensions qui a fait que ce projet a suscité enthousiasme en interne, c'est que JR, il ne vient jamais seul. Voilà. On voit bien que ce qu'il souhaite, c'est travailler avec des bénévoles, travailler avec d'autres. Et ça, ça fait partie aussi de l'esprit de la pyramide. Parce que ce monument, ce n'est pas simplement une entrée, c'était redonner au quartier du Louvre, un peu comme à Beaubourg avec son esplanade, lui donner un lieu de vie. Je vous explique rapidement comment ça va fonctionner. On va être divisé en deux au sein de l'équipe. Il y a 6 personnes parmi les 10 qui vont s'occuper de la découpe et 4 qui vont s'occuper du collage avec Nicolas. On peut faire comme ça et comme ça. Okay. Et aujourd'hui, on a toute cette partie rouge à coller. Okay. On est 5 équipes avec 10 bénévoles à chaque fois, donc vous êtes 50 par session. Moi, je suis architecte. Je suis en licence d'art. Je suis russe. Je suis réalisateur. Enseignante. Cuisinière, pâtissière. I'm an explorer. De base, on a cours. On a séché pour venir ici. Bim, vas-y, on roule de là-haut. Ça, c'est une technique. Elle se voit plus, celle-là. Ça date vraiment des débuts des années du collage, dans les années 90. Vous savez ce qui se passe? I'm making some art, but I don't know what the picture is. I have no idea what it will be. Allez, 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 reste, regarde, là, le petit bout, là. Ah, allez, hop, oui. Allez, on roule, on met élastique et une autre. C'est vraiment l'exemple que l'art bah, peut se partager avec tout le monde. On n'a même pas besoin de déjà rentrer dans le Louvre, que tout le monde peut déjà avoir l'œuvre d'art. Pour les 30 ans, on a voulu à la fois renouer avec ce rapport à la création contemporaine. Parce que ça, c'est viscéral en France et au Louvre. Hein. Voilà, François Ier, il a invité Léonard de Vinci. On oublie que c'est un artiste contemporain. C'est aussi ça, renouer avec la profondeur historique. Donc, qui fait que c'est ça le miracle de la visite du musée du Louvre. J'ai connu les jardins qui existaient avant. J'ai connu la naissance des pyramides, mais ça, Luc, hein. Le papier mâché, là, non, j'aime pas tellement. Ça va ou pas? Moi, j'ai dit quelque chose. Dis-moi, c'est possible de prendre une photo? Ouais, vas-y, ça donne, je vais la prendre. Oh là là, je suis parti 2 minutes, et voilà. Bien là. Ah, les amis, bah, ça peut sauver encore. Un peu plus, attention. Top, c'est bon. Tac. Okay. On a hâte de voir ce que ça va donner d'en haut, parce que là, de près, on a du mal à imaginer ce que ça va rendre sur la télé. Do the floor, more. Mm-hmm. And you go. Allez! La colle en bas là! Et de la colle au-dessus maintenant! C'est parti, la 3! Nous, on va shooter ici, donc vous pouvez rester en action là-bas derrière, comme on a tout. Par contre, les gens qui sont au Théo, derrière toi. Ouais. Ah oui. Alors il faut retrouver encore tout si vous n'êtes pas, sinon juste si tu veux, tu peux te mettre en action là-bas. Tu donnes là-bas à quelqu'un d'autre. On tombe pas, Maurice. Hein.
à tous. Il y a un pas sur ta droite. Ça c'est pied au milieu, voilà, nickel. Ensuite, légèrement deux pieds vers ta droite, voilà un pied, le pied gauche en arrière. Je pense que les gens prendront les petits bouts, hein, mais sur l'île Saint-Louis, ça s'était fait avec le temps, sur le mois. Donc là, en un week-end, faut voir. On l'a pas non plus clairement annoncé, mais naturellement, les gens le feront. C'est quand l'œuvre disparaît. Quand elle disparaît sous les pieds des gens, quand elle disparaît parce que les gens la ramènent chez eux. Certains bouts finissent à la poubelle, d'autres bouts finissent au nettoyage et tout part être recyclé. Et d'autres bouts finissent chez quelqu'un encadré à jamais. C'est pour tapisser ma maison. C'était une bonne idée, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu, on s'est dit on allait prendre des photos, on allait admirer son œuvre, mais malheureusement, on nous a rien laissé. Bah, je sais pas combien de temps ça va rester dégueulasse comme ça, mais... J'ai regardé au sol et j'ai vu plein de merveilles. Et ça, c'est dû au hasard, au soleil, au piétinement, et je me suis régalée pendant une heure et demie. Je trouve ça intéressant du début jusqu'à la fin. Et c'est le moment où les gens savent plus qu'est-ce qu'est l'œuvre, qu'est-ce qu'est plus l'œuvre. Où est la photo, si c'est beau, si c'est pas beau. C'est ça là, c'est quand on questionne. Non, moi je me pose la question, est-ce que ça vaut des thunes dans 20 ans quoi? Je vais le mettre sur un skateboard en fait, le papier. Je pense que ça fait partie de l'œuvre. D'enlever les papiers. Je ne l'aurais pas pris si ça n'était pas décollé. Et quand on regarde les gens, on ressent ce questionnement. On sent qu'il y a des gens qui se racontent leur propre histoire. Et c'est le moment peut-être où ils attendent que moi je leur dise non, c'est comme ça qu'il faut le prendre ou c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Mais en fait, c'est ça le meilleur moment, c'est quand je disparais, je regarde et j'écoute les réactions, bonnes, pas bonnes. Je regarde les gens qui partent super contents avec des grands bouts et puis d'autres qui comprennent pas pourquoi c'est par terre et pourquoi ça s'enlève, d'autres qui pensent qu'on abîme l'œuvre. Et je crois que quand on est artiste, c'est ça qu'on cherche, c'est ce moment où il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, où il y a quelque chose qui vient te questionner, où tu viens en Louvre. Et tu t'attends à ce qu'un tableau soit accroché au mur, et là il l'est pas, il est au sol et il s'envole. En tout cas, ça donne des bonnes photos.